Une plainte, c'est une plainte. Si je, moi, je descends forcément, il n'y a pas de répondre. Donc, pourquoi? Moi, je ne sais pas vous inquiéter de quoi. C'est moi, j'ai ouvert ma bouche, non? Pour dire que moi, Dieu, bien qui c'est, c'est moi, j'ai ouvert ma bouche pour dire non. Aïe, c'est ma bouche là, qui c'est, parce que ça, j'ai une bouche. Il n'y a pas souvent de ma bouche. Même si ma voix est en train de partir. Parce que vous n'avez pas arrêté de m'appeler, me fatiguer. Je ne sais pas. Pour être sincère et honnête, moi, franchement, il n'y a pas quelque chose qui peut me dissuader de ne pas partir. Ça, il faut que je vous le dise. Il n'y a pas. Il y a une petite là. Elle s'appelle... son nom, c'est quoi? Fridos Adam. Adam. Fridos Adam. Fridos. Tu as mis un long test sur mon, live. Tu as dit que tu n'as pas mangé. Tu n'as pas dormi. Et tu as pleuré toute la nuit. Tu as perdu le sommeil. Moi, je vais te dire que ne t'inquiète pas. Dans la vie là, tout ce qui arrive finit toujours par arriver, quelle que soit de la façon. C'est-à-dire que je vais vous dire, je vais vous donner une chose, c'est pas un proverbe, mais une petite histoire que ma grand-mère, la maman de ma maman, a dit. Il y a bois qui va tomber sur toi et puis tu vas mourir. Écoute-moi très bien. Bois, il y a bois qui va tomber sur toi, tu vas mourir. Donc pendant 7 jours-là, il ne faut pas sortir. Donc le mec, pendant 7 jours, il est dans la maison. Pendant 7 jours, il ne sort pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. 5 jours, 6e jour. Il a dit, diarrhée qui a pris le jeune là. C'est qu'une diarrhée qui ne s'explique pas. Pour éviter de sortir, vous savez ce qu'il a fait? Il est parti dans un coin de sa maison là. Hein? Vers la fenêtre. Et puis il a pris un genre de seau. Et puis il va défléquer, il va aller à la toilette. Ouais, j'ai me blessé aux toilettes. Il va se positionner. Vous savez ce qu'a tué le jeune là? Hein? Le bois qu'on prend pour caler, le bois qu'on prend pour caler les fenêtres au pays là. C'est que quand tu ouvres ta fenêtre là, tu prends un bois. Le bois qu'on prend pour caler là. Le bois là. C'est tombé sur lui. Parce que quand il a fini d'aller à la selle là, que je parte en prison pour 3 ans. C'est que 3 années de ma vie. Elle voulait que je reste en prison là-bas. Genre, pour montrer combien de fois elle est forte. Pour montrer combien de fois elle est caïde. Pour montrer combien de fois qu'elle, on ne dit pas son nom. Dieu a dit non. Parce que j'étais dans la vérité. Malgré que elle a fait tout ce tralala. Elle a tout fait. Tout ce qu'il y a dit que même Adja même n'était pas habillée le jour-là. Malgré elle a fait tout ça là. Dieu a dit, c'est pas toi qui décides que mon enfant là, il va faire 6 ans ou 3 ans ou 4 ans. À l'époque là, Makoso même est sorti pour faire dire qu'on l'a donné tant d'années, on l'a fait si. Toutes les personnes, ils étaient heureux. Parce que un être humain va être condamné 3 ans, des personnes, il y en a même, il y a un, lui là, il a peut-être échappé, aujourd'hui là, il a peut-être échappé, il est dans sa tombe. Vous comprenez? D'autres m'ont donné 6 ans, d'autres m'ont donné 5 ans, d'autres m'ont donné 3 ans, d'autres m'ont donné 6 mois, chacun a donné pour lui. Mais, pour être sincère et honnête, la première fois, je ne m'y attendais pas, devant Dieu. Parce que ceux qui disent aujourd'hui de demander pardon là, je me souviens comme hier, pour éviter, parce que je partais en ce moment, ma fille était petite. Et c'était la première fois qu'elle découvre la Côte d'Ivoire. Je partais en vacances pour éviter tous les bavardages. J'ai fait un live où je suis allé sur les missions de Yaka Yaka, je reconnais mon tort. Où j'ai présenté mes excuses pour dire que je n'aurais pas dû, puisque c'est sa vie privée, je n'aurais pas dû ouvrir ma baisse-gueule pour parler sur les réseaux sociaux. En tout cas, je m'excuse, je suis vraiment désolé.
Ça là, ça n'a pas suffi à la personne. Ça ne lui a pas suffi. Elle n'était pas rassasiée. Elle n'était pas d'accord. Quand je suis arrivé là, ce qu'elle voulait faire là, elle a fait. Mais ce qu'elle voulait obtenir en fait, elle n'a pas obtenu. En fait donc, c'est qu'elle n'a pas encore accouché. C'est qu'elle est encore enceinte. Son bébé n'est pas encore sorti de son ventre. Le jour, c'est que moi je vais lui donner satisfaction. Moi, je vais lui donner satisfaction. C'est-à-dire que de toutes ces personnes-là, c'est-à-dire que toi tu passes ton temps, je réitère et je répète, à insulter les gens, à manquer de respect aux gens. Dès qu'on te manque de respect, c'est toi qui connais la route de police. Ou en tout cas, on ne connaît pas la route de police. Quand moi je suis sorti là, moi j'ai été mis en prison par rapport à l'affaire de homosexualité. Quand je suis venu là, tous les LGBT qui se sont levés, il a dit que moi, je ne suis pas dans ça. Mais ou bien, je ne sais pas comment on dit ça là, sur ma tête. Sous prétexte que si moi je vais dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, une personne va se lever, sous prétexte qu'on ne dit pas son nom, ou bien elle est pas le mal des gens, elle insulte les gens, elle n'en dit pas pour elle. Et puis, à cause de ça, moi je m'assois. Je ne bouge pas, c'est-à-dire que j'ai envie de faire des choses, je ne bouge pas. C'est parce que je n'avais rien à faire à Abidjan. C'est parce que ce que j'avais à faire à Abidjan, ce n'était pas important. Mais là, là, je m'en vais. Ce qu'elle veut faire, elle n'a qu'à faire. Je répète. Je m'en vais à Abidjan. Ce qu'elle veut faire, elle n'a qu'à faire. Elle va. Elle n'a qu'à faire. Elle n'a qu'à satisfaire quoi? C'est que ce qu'elle veut obtenir là, la satisfaction de Dieu lui-même là, n'a qu'à descendre pour lui donner cette satisfaction. Oui. Oh putain. C'est bon, il n'y a pas de réponse, ça me fatigue. C'est à cause de vous, je sortais faire live. Sinon, venez écouter. Je suis fatigué de parler à un chose en détail. C'est à cause de vous, je sortais faire live. Dieu lui-même n'a pas lui donné satisfaction. Voilà. Mais qu'elle n'est pas rassasiée. Première fois là. Non, elle n'est pas rassasiée. Donc Dieu lui-même là, je m'en vais dans pire. Bon, ce qu'elle a dit là, vous n'entendez pas. C'est Jésus qui dit ce qu'elle a fait qui ne finit pas. Ange. C'est quoi ça, non? Bonjour de ton ami de ma pauvre, Madou Keita. Madou Keita, comment tu vas? Daddy, il y a un commentaire là. Madou, ça s'appelle Madou, la vie. Elle dit, c'est la vieille mère de Odeo, ne va pas Bibi. Je suis fatigué de vous. Je suis fatigué de vous, hein. C'est qu'est-ce qu'il n'a qu'à prêter à péter des bouteilles de champagne. La belle qui dit, franchement, tout c'est trop, elle est dure, quoi. Eh, franchement, c'est qu'elle a fait qui finit pas. Qu'on y a rien, n'est-ce pas? Oh, à pire, oui. Victoire dit la mère bonjour, tu vas bien, j'espère. Des mots, là. Oh. Victoire, ça va? On peut être joli comme ça, Mathilde. Le père, s'il te plaît, reste là-bas. Tu n'as ni mère, ni père ici, seulement ta grande fille mariée. Ma grande fille même n'est pas à Abidjan. Ma grande fille mariée là, elle n'est pas à Abidjan. Je m'en vais à Abidjan. C'est pas elle, il n'est pas papa, il n'est pas maman, il n'est pas famille là. Il m'en vais. Victor dit pardon, bon, attends bon. D'abord, s'il te plaît, moi, je vais finir mon mariage d'abord. Et puis... Victor, il t'attend quand on a marqué là, il y a des gens qui ont besoin, à la marque là-bas là, il y a des gens qui ont besoin des choses de moi. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. Sur place, il y a là à porter de l'amour. Je suis fatigué de répondre. Yeah. Je suis fatigué. Elle va plus répondre, mais c'est bon comme ça. Ça là, c'est Maggie. Hein. Maggie, elle va me dire de ne pas partir. Oh, Maggie me fatigue. Il y a quoi? Il y a quoi, Maggie? Toi, si tu as me dit, n'est pas venu à Abidjan.
Maggie, il faut laisser ça là. Maggie, au moins je vais te donner le travail, au moins chaque vendredi comme ça là, tu auras le temps pour venir à Yopougo pour venir me donner manger à la maca. Aïe, il faut laisser ça là. Il arrive là, bien. N'importe quoi. Il a dit, chaque vendredi, je veux mon foufou. Bien chaud. Faut, tu as fait un budget. Maggie, il faut laisser ça, tout ça là. C'est pas important, ma soeur, il faut laisser ça. Il ne faut même pas t'inquiéter. Non, moi, il n'y a pas quelqu'un à l'aéroport là-bas. Il ne sait pas d'avoir des bêtises là. C'est pour ça que je n'ai pas donné vraie l'heure d'arriver là. Maggie, comme je suis en live là, on ne sait pas tout à l'heure, non? Ah, tout à l'heure, ma soeur. Za Ange, tu m'as appelé 100 fois. J'arrive, Za Ange. Saint-Jean-Dioré dit, le père, je suis d'accord avec toi. Ça finit pas quoi. Franchement, je vous dis, mes doudous, le gars n'est pas sorti pendant 7 jours de sa maison. Pendant 7 jours, il avait diarrhée. Diarrhée là, ça l'a pris. Il ne peut pas gérer celui. Il a pris un seau. Quand il a pris le seau là, il a pris fenêtre pour ouvrir la fenêtre. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Fenêtre, mais on prend bois et puis on calme fenêtre là. Quand il s'est abaissé pour prendre le seau là, fenêtre a tapé, et bois de fenêtre a tapé sa tête, il est mort. Malgré qu'il n'est pas sorti, il est resté dans la maison pendant 7 jours. Il a respecté. Donc, bon, je vous explique. Hier, j'étais en train de faire mon live. Je disais à mes abonnés que, comme il est en train de partir, comme je m'en vais à Abidjan, donc je suis en train de faire le ménage et tout, que je suis fatigué, la maison est désordonnée. Hier, j'ai dormi à la moitié de mes habits sur le lit. Tellement flemme pour replier main dans le placard. Donc, j'ai fait un live pour me détendre, j'ai mis la musique. Donc, il y a quelqu'un qui est venu écrire que, tu t'as Abidjan, Ngara Moué là-bas. J'ai dit, aïe. Là, où je sortais faire live, et puis je sortais me détendre à mes abonnés là. Quand je m'en vais, Gaga Moué là-bas. J'ai compris, comme Gaga Moué là-bas, il faut dire à Gaga Moué qu'il arrive. Que j'arrive samedi. Au plus grand temps, à 21h là, moi ici dans Abidjan. Elle a qu'à m'attendre à ses gros bras, avec ses policiers. C'est que comme il est tué là, ils n'ont qu'à venir, ils vont m'attraper, ils vont peut-être me jeter en prison. Donc je donne la réponse. Et puis après, mes abonnés, les mêmes abonnés que vous êtes, me disent non, le père, il faut laisser tout ça là. Les gens veulent t'énerver, ça, quoi, ça, marcher. Je dis ok. On passe à autre chose. Je finis tranquillement mon live. J'étais en plein live même lorsqu'on m'a appelé pour que j'aille déposer un document rapidement. Donc je suis parti, ça m'a énervé, je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. Ça m'a énervé. Un gros caleçon. Zahange, que je vais pas pleurer. Aie pitié de moi, pardon. Je vais pas pleurer. Zahange, tu vas pleurer. Zahange, tu vas pleurer. Mais il m'a dit. C'est pas. Les gens disent que c'est affaire de gros cœur. Non, je vous explique. Comme vous m'avez demandé explication, je vous explique. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis là, je vais faire mon document tranquillement. Il y a Elvis qui m'appelle. Je n'ai pas pu faire le document. Non, ça m'a énervé. Non, il y a Elvis qui m'appelle. Elle m'appelle. Oh, waouh. Tiens, c'est bon comme ça. Donc, il y a Elvis qui m'appelle pour dire ah, qu'elle a une information et tout, qu'elle n'a pas envie de dire ça derrière les gens et tout, et tout, et tout. Donc, moi, de venir sur son live, elle va m'expliquer. Donc, je monte sur le live d'Edwige. Donc, Edwige, maintenant, qui me dit que, qu'elle, de sous-su, elle a eu l'information que Gaga Mou, comme je suis un enfant de comme je suis Monsieur Nyali, là, que Gaga Mou m'attend à l'aéroport, de sous-su, qu'il ne faut pas y partir. Donc, je répète la même chose à Edwige pour dire que, tout le monde parle, parler, ça arrivait dans mon oreille.
Il fait comme si je n'ai pas entendu, ça ne m'intéresse pas. Parce que l'heure n'avait pas encore sonné pour que j'arrive à Abidjan. Donc là, Edwige, toi, il y a 6 mois, moi, je suis au courant. Voilà. Mais là, là, il y a 7 jours, j'ai appelé mon petit habitant. Tu dis quoi? Bobage, c'est qui Bobage? Ah, si tu toques là-bas. Oui, elle est à le bain. Non, elle n'a pas le laisser. Attends, je ne sais pas comment tu dis, tu toques. Elle n'a pas le laisser. Chérie Leblanc, du coup, comment tu vas? Ça va, mon amour, chérie Leblanc, du quoi? Donc, il y a 7 jours, moi, j'appelle mon petit Abidjan. Vous dites que, ah, parce que quand moi, j'arrive là, comme j'ai toujours beaucoup de bagages, je l'appelle. Vous dites que, ah, que j'arrive tel jour, mon petit, tout ça là. Il dit, ok, le père. Donc, lui, il va, il me rappelle le soir, on me dit, ah, le père, que faut pas venir. Parce que vraiment, moi, il me s'est renseigné, voilà. Il dit que, hey. Donc, ça là, c'est sérieux, quoi. C'était le mois prochain. Non, c'était pas ce mois-là que j'allais partir, le mois prochain. Voilà, que j'allais partir. Comme il a dit ça là, j'ai dit, hein, Guéré dit, non, mais t'as retour. Il va dire, oui, on ne met pas. Et toi, ok, on fait comme ça, non? Attends, viens aller voir. Oh, mais c'est même pas si tu toques. C'est parce que c'est sérieux que moi-même là, je viens habiter. Parce que Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Je suis Guéré. De père et de mère. Je n'ai pas un autre pays pour partir. Je ne suis pas, je ne vais pas me lever pour dire que je vais au Cavet. Au Cavet là. Je n'ai pas de maison là-bas. On ne me connaît pas là-bas. On me connaît à Gloplou. On me connaît à Tchokwe. On me connaît à Bangolo. On me connaît à Gri. On me connaît à Gloplou. On me connaît à Ziagaison. Voilà. On me connaît à Yopougon. Donc, c'est pas à cause de ça là, j'ai pas parti, donc mieux il m'en va maintenant. Et puis ce qui va arriver, ça va arriver. Donc je sais pas, vous pleurez, vous m'appelez, les années, tout ça là, c'est les messages. Tout ça. Je suis fatigué, il y a un homme qui ne peut pas répondre. Depuis hier nuit, j'appelle. Depuis hier. Au Togo, au Bénin, partout, non. C'est-à-dire, mais aïe, je ne comprends pas. Pardon, en désolé, les yachi, il y a dit, mais bon. C'est quoi? En fait, c'est quoi qui vous inquiète? C'est la prison qui vous inquiète ou bien c'est quoi? Moi, la prison ne m'inquiète pas. La prison, c'est la mort qui gâte tout. C'est la mort là. La mort là, ça gâte tout. Mais tant que tu as la santé, tout va bien. Ce qu'elle veut faire là, moi je dis, je vais lui donner satisfaction. Ce qu'elle a envie de faire, puis, en fait, si vous ne comprenez pas, en fait, c'est que vous ne comprenez pas mon ressenti, en fait. En fait, c'est un ras-le-bol. C'est un plein de cul, en fait. J'en ai plein de cul. C'est un ras-le-bol. C'est tout. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. J'en ai marre. Ça suffit. Tu n'es pas le dieu de la vie. Tu n'es pas le dieu de la terre. Tu n'es rien, en fait. Tu es un maître humain, faire des chairs et des sangs. Tu fous la merde. Et tu sais, tu t'acharnes. En fait, c'est comme c'est devenu. Je sais pas. C'est elle s'acharne, en fait. Moi, je constate maintenant qu'elle s'acharne sur moi. Voilà. Merci pour le cœur. Elle s'acharne en fait. Elle s'acharne. Et moi j'en ai marre. Voilà. Déjà même, ce qui s'est passé là, ça m'a laissé un goût amer. Je ne digère pas et je n'ai pas encore digéré. Mais je me dis, c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Que Dieu facilite les choses. En fait, que chacun de nous puisse passer aux choses. Parce que c'est moi qui ai fait la prison, hein. Mais là, si toi, tu n'es pas rassasié, parce que ce que tu devais avoir, tu n'as pas eu, et que maintenant, tu veux encore, mais allons ça. On y veut te mettre la peur au ventre. Jamais. Si j'avais la peur, là, je n'allais pas partir. Quand quelqu'un a peur, là, il ne bouge pas. Moi, c'est parce que, j'ai dit, ça m'a, en fait, au lieu de me mettre la peur, en fait, ça crée encore haine de ta mère, là. Faut aller dire à ta maman qu'elle n'a pas raison. Parce que tu fais quoi sur mon œil? Je n'ai pas raison. Je t'ai demandé d'être juge. Si je n'ai pas raison, là, je m'en vais. Ce qu'on me dit, je n'ai pas raison. Là. Parce que je ne vais même pas me fatiguer pour dire que j'ai de l'explication. Vous explique des choses, mais vous... Vous êtes bête comment? Oh. Moi, tu dis quoi? Regarde les messages, il ne faut même pas écouter. Ça vient sûrement. Il ne faut pas écouter.
Faut la bannir même, faut la bannir, faut même pas résister, faut même pas avoir quelque chose qui me concerne encore. Une bordel comme ça. Ah, Marcus, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On vous explique que c'est hier. Depuis hier, mon téléphone, je suis fatigué, je n'ai même plus de voix. Parce que moi, quand je parle beaucoup, arrivé, quand moi je parle fort là, je tisse mes cordes vocales là. Après, ça me fatigue. Donc, comme je suis pas capable de donner l'explication là, c'est ça que j'ai donné ma chambre pour faire live là. Faut la bannir même. Donc franchement. Non, non. J'ai diminué le volume. Ici, dis que ça ne te permet pas. Bon, pas Lionel, on va faire la trend. J'accepte et. Laisse le moment. Si elle met un commentaire encore, il a bloqué. Faut la bannir même. Donc elle se fait mettre. Bibi, il faut aller. Cette fille a. Encore te laisser en paix. Elle se dit. Et parlons peu, parlons bien. Je suis ici sincèrement pour vous dire que. Vrai là, ne vous inquiétez pas. Je sais que l'amour que vous me portez est tellement énorme que vous ne voulez pas me voir dans une situation déplorable. Merci pour le pistolet, ma belle. Merci beaucoup. Il même dit va reprendre ta voix et met tout entre les mains de Dieu. Tu connais. Voilà, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais même pas prier pour ça même. Vrai même. Je vous dis, je ne prie pas. Non. Amel dit, on peut te comprendre, mais c'est dangereux. Oui, bah oui. Bah oui, bien sûr. C'est dangereux parce que c'est en Afrique, en fait. Bah oui. Pourquoi ils sont cloîtrés et puis c'est toujours en Afrique qui porte les plaintes de merde? Pourquoi ils sont cloîtrés et puis c'est toujours en Afrique qui porte les plaintes de merde? Parce que bah c'est dangereux parce que c'est en Afrique. Tout simplement. Chérie Leblanc dit, avec l'âge, mon amour, il faut te calmer. Oui, mon cœur, je suis calme. Non, mais là, tu vois, je suis très calme. C'est depuis hier, en fait, tu vois. Chérie, c'est depuis hier, oh, ils n'arrêtent pas d'appeler. Oh putain, oh. T'as pas idée, chérie, de combien de fois c'est pesant. Ah putain, on t'appelle sur. Ah non, mais tu dis, mais vraiment, c'est quoi ces conneries là? Abakus dit que moi, jusqu'à la gare. Aïe, Abakus, ça, c'est moi, je sais. Il même challenge. Chérie Leblanc, toi, avec mes abonnés que je reconnais là, vous et puis moi là, c'est comme ça. Sachez que je suis là, parce que putain, hier c'était. Depuis, j'ai arrêté. Purée. C'est que je limite même là, je dis, mais c'est quoi le truc en fait? Tiens! Dis-moi, je suis parti avec Clara. Mais là, je suis parti avec Clara. Là, même là, j'étais parti avec Clara. Hein. Elle était petite. C'est où elle est vieille là? N'importe quoi. Voilà, c'est ça. Il y a Cathy qui demande, Vivi, c'est vraiment que Moulet t'a côté petit. Ah, c'est ce que. C'est grave, mon. C'est grave, c'est quelque chose qu'on prend pour effrayer les enfants. C'est-à-dire que tu vois, 46 ans, moi, il a été effrayé de quoi, Maka. Marie, c'est une vie, une rien, ma grande soeur. C'est dommage pour elle. Reste âme, tu as une grande destinée et ça dérange. Courage. Ah, ça, c'est clair, c'est ce qui dérange. Parce que quand ils vont regarder dans les Canaries, là, peut-être que je vais les dépasser dans beaucoup de choses. Donc, du coup, ah, Côte d'Ivoire, là. C'est-à-dire que c'est signé avec l'Ectoris. N'importe quoi. Dit, bonjour, Bibi, même gardien de cimetière meurt. Franchement. Ah, image la joie, franchement. Même gardien de cimetière meurt. Même pasteur meurt. Même Jésus. C'est que notre Dieu, il est mort. Non, 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 ouais. Même Julien Vessin qui est mort dans le canapé. C'est ça que quoi? Franchement, ça me fait mal parce que vous êtes triste. Vous êtes. Ça me, en fait, c'est vous maintenant qui me. C'est vous qui me rendez mal en fait. Parce que votre tristesse, c'est comme si. 28 quoi, en tout cas, pour écraser des détracteurs, viser notre langue de nous tellement que je tiens que la. Je vais même pas déranger Somme. Et 0-0 d'après les Italiens, je vais même pas déranger Somme. Je vais même pas faire une petite prière pour ça là. Vraiment, il ne peut pas. Pourquoi? Aïe! Il y a des femmes stériles, il y a des enfants malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Si je dois prier là, il y a prié pour eux. Il ne peut pas déranger Dieu pour ça là. Des femmes. Non, il n'y a pas ça. Il a dit, je ne prie. Je ne prie même pas pour demander même à Dieu que éloigne cette coupe de moi. Comme s'il est parti à la mort. Il ne demande pas à Dieu, il n'a pas éloigné même la coupe de moi. Il ne demande pas à Dieu. Bibi, je dis, aïe. Il ne va rien se passer. Tu es une personne vraie. C'est vraiment que tu es un humain qui est vrai.
C'est vrai que tu ennuies. Ouais, quelqu'un. Okay. Yes, ennui. Yes, ennui, mais tu me prends comme ça, non? C'est ça? Samedi, c'est quand on voit, mais moi-même, je vais. Samedi, yes, là-bas. On va nous mettre tous là-bas. Tout à deux, je suis ton témoin. C'est samedi. Vraiment pas facile la vie, il y a trop de personnes méchantes. Yes, fatigué. C'est ma jumelle même, une maman qui habite là-bas. Elle a dit, Gugu, quand ça s'est passé là, je n'ai pas mangé, j'étais malade. Pardon, il a dit maman. Pour cette fois-ci là, faut manger, il faut grossir. Parce que première fois là, c'était supplié. Là, je m'attends à tout. Et puis, ça dit que ne pas. On met pas où, on met pas même. Franchement. On met pas où. C'est qu'on n'a pas fait, on n'a pas vu dans ce monde. On n'a qu'à te faire, on va voir. Vraiment. C'est qu'on n'a pas encore vu de nos yeux. On a pris Gbagbo comme ça par ses fesses. On a amené 11 ans, il est sorti. Ça dit qu'un grand homme comme ça, un grand homme comme Gbagbo, on a déchiré, on a déshabillé. Nous tous, on a vu quoi de Gbagbo sur les réseaux sociaux. On a pleuré. On a fini de pleurer. Il a fait ça, 11 ans, il est sorti. Donc, c'est quoi même? Sur les plateaux là, même elle déshabille des autorités, les supplie, les gens, c'est pas, on sait quoi là-bas. Non, franchement quoi, en fait, c'est ça même qui m'énerve. C'est la partie vrai, même, je veux voir les vrai, gens. Vrai, je n'allais pas partir, je n'allais, attends, vrai, même, je n'allais pas partir peut-être. Mais c'est quand mon petit là, me dit, le père, vrai, c'est sérieux, faut pas, il y a dit ça le mois prochain, qu'il est parti, il y a dit, j'ai reculé mon vieux d'une semaine. Elle dit, je m'en vais là. Je m'en vais. Tu ne peux pas arrêter de te mettre la peur. Je ne peux pas interdire à quelqu'un d'aller dans son propre pays. Son propre pays, il va rentrer dans son pays. Il pleuve qu'il neige, il va rentrer dans son pays. Il y en a même qui sont couchés sur le lit et puis se réveillent, ils sont morts. Franchement. Mais voilà ton fils même. Il a fini de parler à sa chérie. Ils sont disputés. Ils ont fini de faire les pavardages. Elle se lève à dire chez son papa. Elle revient le soir. Coucou. Quoi, oui. Donc, si, ça dit qu'un enfant. Gaïa, quoi le problème? On a tué quelqu'un. C'est ça. L'homme que j'ai tué là. En prison là, c'est pas des animaux qui sont là. L'homme que j'ai tué là, je m'en vais. J'ai payé, j'ai fini de payer mes crimes. J'ai déjà mort, enterré, on a pleuré, on finit pas de pleurer. N'importe quoi. C'est quel qui va t'animer encore? Vraiment. Qu'est-ce qui est plus grave que la perte de ton enfant? On a qu'à faire ce qu'il y a, on va envoyer. On a qu'à t'amener en prison. On a qu'à faire. Bon, c'est mauvais. En tout cas, c'est ce que j'avais. Je dis, les personnes qui sont en train de faire panel là, ils n'ont pas fait, c'est pas mon problème. Ouais, ma donc dit. Ouais, nous n'avons pas demandé de voler de matin. Et on dit, on dit à son gars, c'est un peu, gra. Mon frère, il a dit, fais la bannière qui était ici. Attends, dans des secondes, on n'est pas admis sur TikTok. Parce que je n'arrive pas à bannir ici. Non, sur TikTok, il n'est pas admis. Le vieux. C'est ça, je sais pas. Le vieux gars là. Aussi, oui, le vieux gars. Il dit que, voilà, moi je dis, attends, où je suis couché là. Moi, si j'ai faim, j'ai sommeil. Maintenant, ton bavardage là même a fait que je me suis réveillé et puis j'ai faim. Maintenant, la personne qui dit que. Ils ont porté plein comme toi, là. Ils n'ont qu'à faire la photo. Ça dit que bavardé, ta gorge même là, c'est fatigué. Moi, j'ai fini. Tu vois la convocation, là. Ils n'ont qu'à faire la photocopie, puis ils n'ont qu'à t'envoyer. Et puis tu vas aller là. Tu prends ton transport vers ton billet d'avion, vers ton bateau, toi-même là. C'est toi-même qui t'en vas où ils disent que tu dois aller là-bas. C'est toi-même qui t'en vas là-bas. C'est pas quelqu'un qui t'en va là-bas. Il y a des gens, on m'a pas foncé. C'est moi-même, je me l'ai pris maintenant. Je sais, mais. Hey, y a quoi? Ils disent là, mais ils n'ont jamais envoyé des preuves pour dire que c'est ça. Ils n'ont qu'à faire la photocopie et puis ils n'ont pas venu déposer ça sur la même toile là. Je dis, tu as vu Edwige hier? Oui, je suis là. Est-ce que tu as vu Edwige hier? Quand tu as vu ça coûte l'air d'être vu les gens qui ont fait la télé. Le Dieu, ton toi, Dieu qu'on a, il est fait. Il est fait et puis j'ai mal à la tête. Si tu ne peux pas me donner à manger là, après des convocations, il faut laisser. Y a quoi? Il a dit, on peut insulter son mari comme ça, Adama. Tu les photos, tu vas mettre dans des HL, ils vont m'envoyer manger. Toi, tu es là, coco, niek. Bibi, ma content, il t'a son mari. C'est ça que j'avais à te dire. Maman, mais tu es. Vous dites que vous n'avez pas encore fait des enfants. Tu finis la toile ici. Il n'y a pas de soucis. Un de Dieu, il n'aura même pas d'avocat, t'inquiète pas.
Elle sera rassasiée. Mais quand ils vont me demander, il a dit oui. Il a dit parce qu'elle insulte les gens, c'est donc je me suis permis. C'est la réponse qu'il a donnée là-qu'elle a. Oui, oui. Je vais dire, comment elle insulte les gens. Les abonnés se demandent pardon, qu'il faut rester. Il faut rester. Les abonnés se demandent pardon. Bon, il a compris, il ne veut plus. Il dit, faut rester. Il est sorti de faire les valises. Le père, je demande pardon, reste avec nous. Il a compris. Il n'y a pas de problème. C'est ta voisine de la rue, Sima. Ah, comment tu vas? Tu vas bien? Elodie dit les autorités même ne font pas leur travail dans le pays là. Ils font leur travail. Vivi, c'est ta cousine Fatima Djokwe. Oui, Fatima, comment tu vas? Il y a longtemps d'elle. Et ma cousine, ça fait des années, on ne s'est pas vite. Ah, Fatima, tu es où? Tu es toujours à Djokwe? Toi, chérie Leblanc, là, tu me laisses pas tranquille. Faut venir, je t'apprends le guéré, c'est important, chérie. En tout cas, achète là-bas, ça va. Attends, lis mon commentaire, s'il te plaît. C'est quel commentaire? Désolé, Amélia. Il y a un garçon qui dit. Gugu n'a pas qu'elle de partir laisser ça, ça c'est bavardage. Elle s'appelle Cassandra. Cassandra. C'est faux profil. Hein. Cassandra, j'ai compris. Cassandra. Rendez-vous samedi. Ah bah qui je dis ne parle pas ma Gugu. Arrêtez. J'ai compris non. Je suis fatigué. Moi j'ai compris, il ne veut pas. Il n'y a pas de soucis, il ne veut pas. Donc je suis venu vous annoncer que je ne vais plus à Bijan. Voilà. Comme vous me demandez pardon, pardon, donc je ne vais pas, je suis là, d'accord? Il y a Laboro dit le père, j'ai pleuré la dernière fois, donc pardon, pour rester. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Ado ne joue pas, c'est Ashley qui dit ça. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Ashley, comme Ado là, Babou en train de poser sa candidature, ça ne l'intéresse pas, c'est moi, je suis importante. C'est bon, c'est une importance, c'est une importance capitale aussi. Jenny dit, bonjour Tata Gibi, s'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de Tata Céline. Bonjour. 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 Comment tu vas? Ça va et vous? Adieu, merci. Ah, il y a longtemps que tu cherchais sur les rouges, je ne te voyais pas là. Ouais, je suis là, je vais bien. Sur Facebook. Je suis là, je vais bien. Ah, bien, merci. Mm-hmm. Ah, comme on dit, toute chose est du bon. Ah bon, il est monté comment et puis il est descendu comment? Je sais pas. Peut-être, et tout, non? Mais toi, attends. Si tu es sur la faute, il faut essayer de bannir Ibrahim là. Faut les bannir. J'ai dit. Écoute-moi. Pourquoi vous voulez les bannir? Non, mais il est en train de distraire les gens. Il n'est pas en train de distraire quelqu'un. Laisse-le tranquille. Laissez-les. C'est que j'ai envie de dire, n'a pas même dit. Ils sont sur le live, c'est eux qui souffrent. Tu sais, t'as dit de lire les commentaires positifs ou négatifs. Faut bien laisser. On s'en fout, mais faut les laisser. N'a pas laissé faire foutre. C'est plus qu'à même qui a envie de se tuer. Elle a couché là-bas, elle a un boulot qu'elle a fourni vers la prendre. T'as vu quand le chapeau rouge est. Son cas est chaud. Le chapeau, il est rouge. Il est rouge. Son cas est chaud. Elle est fâchée en colère. L'homme dit, c'est l'homme d'être. Moi, je suis en prière seulement. L'éternel, mon père. Marie, laisse-moi tranquille. Il y a une seule machine. Ils vont connaître tout le monde. Là, tout ça bien. Sexy chocolat. La jambe est sexy chocolat. Mon cher, il y a ça en chocoteau. Non, c'est pas mieux. Envoie jambe là. Bah ben, si ils ont vu le caleçon, eh bien ça baisse, oh, on crie où vous. Maître conseiller dit, je rêve de toi, il rêve de toi, comment? Maître conseiller, il faut bien rêver. C'est ta voisine de la rue, Sima. Mais je t'ai reconnu, ma belle, comment tu vas? Faut descendre. Yako, non. Non, arrête de pleurer. Oh là là, la pauvre. Non, excuse-moi, je suis libre. J'ai fermé le salon, j'étais malade. Du coup, je suis là. Ah.
c'est, tu sais, dans le 18e, elle avait juste le salon de coiffure en bas. Et Julien partait là-bas tout le temps pour l'embêter. Ah, donc elle n'a pas de réseaux sociaux. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Ça pour qui? C'est ma voisine. Quand j'habitais dans le 18e, elle avait juste le salon de coiffure à la rue Sima. Moi, j'habitais au 20 rue Sima. Elle avait juste le salon de coiffure en bas. Oh, la pauvre. Elle vient de... Et mon frère, elle ne savait pas, elle a dit, mon frère, je viens l'embêter à chaque fois. Oh. Donc, elle vient d'apprendre la nouvelle. Mon cher, c'est ça, les petits bébés frères comme ça, ils sont mouillés ici, là. C'est ça, parce que c'est quoi? La mort, c'est quoi? On croit que ça va se rendre une tour de... Plus vous me dites, ne pas partir, même plus vous m'énervez même. Mais Marie, je pense qu'on contacte non la dame qui est descendue là. C'est moi, je l'ai fait descendre parce que je n'ai pas envie de pleurer, mon cher. Je suis fatigué. Constant dit, nous vous adorons, donc faites ce que votre cœur vous... Ah, c'est ce que mon cœur me dit de faire, là, c'est ça, il m'a fait. Contrôle. Bonsoir. Il y a un commentaire qui dit que c'est ta pizza là que les gens veulent manger encore. Yako. Et la mère, c'est comment? La mère, mais c'est comment? La mère va bien, il y a quoi? Nouvelle du soir, ou bien du jour? Je suis fatigué. Je ne trouve pas les tagas. Voilà ça. Je ne sais pas, je suis avec Dja. Moi, je suis avec aussi, petit. Mais si faire ta gamme, moi, je suis faire ta gamme, petit. Je suis trop mal faire ta gamme. Tu as vu, non, tu as à côté de Bengi, tu n'es pas loin, non. Bengi, t'attends, mon petit. Arrête, c'est où, hé. Bengi, et toi. Tu vois, non, c'est pas mon moment. Le petit dit, tu jettes tout côté Bengé. Voilà, il est trop fort de toi. Il me fait trop rire. Il te dit, vas-y, vas-y. Elle dit, je suis congolaise, on est voisine à Reims. Pardon, ne va pas à Abidjan. Il y a la roue qui dit, ok, le pardon, on le vient à l'aéroport avec mon bébé pour attraper et demander pardon. D'attraper la roue. Donne-moi de te donner l'heure pour que tu viennes à l'aéroport pour m'attraper, pour préparer les pâtes. Je m'en vais à 20h. Elle est là, tu dois à Babi, ouais. Oui, il arrive à Babi. Ah, il y a un fou. Qui est devant le bas venir ici, là? Tes petits là sont prêts pour toi. Tu peux s'abonner. Elle a effrayé tous mes abonnés. Je dis, rien, là. Non, les pauvres. C'était trop triste, franchement. Elle n'est pas là où. Les commentaires en font tout rire. Mais attends, t'as regardé si les commentaires. On dit, est-ce que c'est Jésus de la personne qu'on a mis pour construire la Côte d'Ivoire, puis à cause de ça, on peut pas le dire. Ah, mon cher, est-ce que c'est Jésus vraiment poser la question de... Chérie, il y a mal à la tête. Le gars, il a mal à la tête, franchement. Tous les là. Ah oh. Bonjour, Doudou. Bonjour. Je suis monté pour te dire quelque chose seulement qui me plaît en toi. Je t'écoute. Quand tu fais le live, puis tu m'as guéri dedans, là, je te dis que ça me fait rire, puis ça me plaît. C'est ton côté qui me plaît. Là. Merci beaucoup, ma chérie. Ça te... Quand tu commences et puis tu m'as guéri dedans, là, je me guéris, ça veut dire que tu vas me tuer. Donc, là, tu... C'est qui fait bruit comme ça, là? Moi, je ne comprends pas, ils sont montés, je ne sais pas, ça ne cause pas. Bonjour, il y a quoi à faire de bonsoir là aujourd'hui là même. Bonjour. Non, on vous écoute, on vous écoute. Nous vous écoutons. Ah, il y avait un bad. On vous écoute. Allô? Bon, ok. Souvent, il a envie de parler quoi. Il n'y a pas envie de parler. Mais t'écoutes pas parler. Il a pas trop peur. Il a pas trop peur. Il a pas trop peur.
Non, ma mère ne vient pas connaître ça, hein. Moi, elle vient pour autre chose. Ah, elle dit que je la suis le métal, apparemment, il y a un discours encore. On dirait. Hein. On dirait. Hein. Vous savez que Facebook, ah, et Facebook et TikTok ne se reposent pas. C'est pas vous. Donc, on est dedans. La cale est finie, faut, la cale est finie, faut qu'on chauffe un peu la toile. C'est clair. Mais là, c'est que ton pied est si caillou, hein, mais c'est là, vraiment. Non, mon pied n'est pas si caillou, hein. Il faut dire que si elle s'ennuie, là, elle n'a pas dormi. Ben, je lui ai rien demandé. D'accord. Chantal, comment tu vas? Chantal, j'espère que tu vas bien. Yacoub, faut pas, j'aime ça passer. C'est ça, ils sont très fatigués. T'inquiète pas, mon petit, il n'y a rien même. D'accord. Voilà, ils n'ont pas bavardé. S'ils sont fatigués, ils vont se calmer. Ah, mais ça va, c'est pas, j'aime au moins un shot de Jack. Yes, c'est Jack même qui a cassé, voilà. T'as vu, non? Il y a un shot de Jack. Il y a un shot de Jack, non, vous les avez bien même, vraiment, c'est pas possible. Au shop de Jack. On peut faire shop de Jack comme ça. Vous dites vendredi, c'est un haut de prier. Vous priez pour mettre. Bon, il y a notre brigade toujours ce sourire qui te va super bien. Quelles que soient les provocations, les difficultés, Dieu est fidèle. On t'aime très fort. Amen. Merci beaucoup, mon bébé. Au lieu de prier pour donner des trucs comme de Wakulo, c'est ta personne, c'est de la bienveillance. Non, moi, je, non, mais elle, en fait, moi, ce qui m'a dérangé un peu, c'est que elle a pratiquement effrayé mes abonnés, en fait. Est-ce qu'elle a causé, on s'est battu sans faire de garçon. Mais c'est ça, elle s'est mis en, combien il s'est mis en caméra là? Amen. Coucou. Salut. Comment vous allez, la mère? Ça va et vous? Tu vas me demander. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va. Attendez, parlez étape par étape. Il y a beaucoup de demandes là. Oui, restez. Vous me dites de rester tel que je suis. On vous écoute. Bonjour, la madre. Bonjour, ma chérie. Je vous aime bien, en tout cas. Merci beaucoup de m'aimer, c'est gentil. Vous êtes une personne. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée à vous, maman. Bonne journée. Bisous. En ensemble. Attends, je peux parler maintenant? Voilà, faut parler, mon enfant. Parle. D'accord. Moi, je voulais savoir d'où est-ce que tu tires ta force, la force que tu as, parce que tu es passé par beaucoup, par beaucoup d'étapes, il y a eu beaucoup de choses, tout et tout. Avant même ce qui s'est passé avec ton fils, à Abidjan, il y a eu beaucoup de choses. Franchement, tu as toujours été persécuté, tout et tout, mais tu as toujours gardé cette joie de vivre là. En tout cas, beaucoup de courage et puis il y a beaucoup de choses, de belles choses qui t'attendent devant. Amen. En tout cas, sache que nous, on t'aime, on est à Abidjan, on t'aime et puis voilà. Il n'y a pas de souci. À toi et puis porte-toi bien surtout. Love you, bisous, merci beaucoup. Bon, bonsoir. Toi, je vais te faire descendre. Faut te taire les gens en parler. Toi, tu es trop bandit. C'est quel enfant, ça là? Pardon. En tout cas, là, moi, je voulais te dire beaucoup de courage et tout, vraiment. Moi, je voulais te dire beaucoup de courage et de ne pas lâcher, en fait, parce que tu es une femme forte, en fait. C'est pas, on te prend comme exemple. C'est pas pour moi venir d'ici les réseaux, mais vraiment. Il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles, mais quand ils regardent aussi ta situation, ça les motive, en fait. Regarde la vieille mère, elle a perdu son enfant, elle a eu les problèmes à Abidjan, mais malgré tout ça, elle est tupillée. Donc pourquoi pas moi en fait? Donc vraiment, tu nous donnes l'exemple. Et je te conseille de continuer comme ça en fait, de ne pas écouter ce qu'on dit derrière. Il faut avancer quoi. Merci parce beaucoup. Parce que là, c'est ça quoi. Donc merci. Beaucoup de courage à toi. Bisous. Merci. Bisous.
Merci. Au revoir. Au revoir. Non, le petit Kamba là, il bavarde. Il dit non, mais toi, mais t'es journaliste, quoi. Il a fini ça. Eh, sa tête dit là. Mais on a qu'un accent lourd comme ça. Accent, toi, tu as Cameroun, mais tu as accent des Maliens. Je sais. Bien compris. Je vais dire à Clara qu'il y a quelqu'un qui l'aime, qui est en Italie, qui joue au basket. Arrêtez d'emmerder les gens. Bonsoir. Il y a quoi même? Bonjour. Je suis Waron. Bonjour, viens faire la vidéo. Bonjour, il y a quoi? Il y a rien, c'est ton bonjour. Bon, c'est gentil, merci, au revoir. Au revoir. Bisous. Bisous. Non, il y a des titres qu'on s'ennuie pas. Dès que tu t'ennuies, tu l'as dit, tu as dans ta journée, gay. Dis-toi quoi. La personne n'a pas de réseau. Ça, c'est. Voilà quelqu'un qui a venu m'emmerder. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, je pense qu'il n'y a pas de réseau. Comment tu sais qu'il n'y a pas de réseau? C'est rouge. Ah, ok. Les bas de la personne, c'est rouge. Ah, ok. Je dois aller ici en Italie. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup, ma belle. Donc, elle lui est descendue chez toi là-bas. Tu vois, non, si tu descends, tu vas venir me trouver, il y a fouille. Ok, bisous. Bisous.